Qu'est-ce que tu penses de le parcours ici? Tu as gagné à Louvain et maintenant peut-être au Brest, tu sais jamais. Hein? Oui, aujourd'hui c'est un bel course et c'est la même presque que Louvain, le parcours, c'est un peu plus dur. Et c'est des équipes fortes comme Quick-Step, Lotto et UAE. Et la course c'est un peu différente, je pense, et ça va attaquer le dernier tour. Et moi j'ai cherché de rester plus avant possible pour faire un bel sprint ici. Et l'équipage est tourné autour de toi, je pense? Oui. Aujourd'hui, c'est une équipe avec des nouvelles des stagiaires. Et oui, je suis le leader pour aujourd'hui et voilà, les équipes travaillent pour moi. Et pour le futur, peut-être, tu vas venir retourner en Louvain pour le champion du monde ou est-ce que c'est trop haut pour toi? Non, je ne sais pas. C'est encore moi pour le championnat du monde, la sélection pour l'Italie c'est longue et j'espère de venir une autre fois à Louvain pour faire le championnat du monde. Tu aimes la Belgique je pense, hein? Oui, c'est une belle nation et c'est plein de courses. Ici c'est l'université du cyclisme et je suis honoré de faire le championnat du monde ici. Ton programme pour cette année encore, il y a encore de belles courses? Et vraiment pas beaucoup de courses. C'est 4 courses en Italie, je pense. Et ici, c'est encore samedi, que c'est une belle course. Et voilà, je cherchais de faire le maximum possible et regarder pour les prochains mois. Comment ça va avec Niki Terpstra? Ah, très bien, très bien. Très bien, je suis avec lui déjà da 3 années. Et c'est vraiment un champion et encore jeudi vendredi à la course à Kortrijk. Il fait un grand travail et je suis content de rester avec lui dans l'équipe. Ok, bonne merde pour aujourd'hui. Merci.